Il y a quelques mois en arrière, aurait-il osé un tel geste? Aujourd'hui, ils disent ne faire qu'un. Tous unis autour d'une cabane, bouillant de colère, malgré le froid mordant. Ils cherchent à nous enfumer. L'histoire du SMIC qui a été augmenté, c'est pas vrai. C'est la prime d'activité qu'ils ont saucissonnée. Attendez, nous on est des retraités, on gagne moins qu'il y a 10 ans, vous trouvez ça normal? On n'a pas d'indexation sur les retraites, rien du tout, vous trouvez ça normal? Puis l'ISF, puis le CAC 40, déjà les boîtes du CAC 40, si elles payaient ce qu'elles doivent, eh bien on ne serait pas dans la panade où on est. Le fric, il est toujours eu, il y a de plus en plus de pauvres, les pauvres sont de plus en plus pauvres, et puis les riches sont de plus en plus riches. Le campement est établi sur un terrain privé, juste à côté d'une sortie d'autoroute, irréprochable, indélogeable. Les gilets jaunes passent leur journée ici. La cabane, visible de loin, est devenue une tribune politique à ciel ouvert. Pour moi, c'est gratuit, là. Ça me coûte rien, là. Je suis dans mon élément, là. Ça peut durer, hein. Je dis, là, ils parlent des grands débats, là. Ils sont à côté de la plaque, hein. C'est pouvoir d'achat, c'est urgent, déjà. Pouvoir d'achat pour les gens d'en bas, là, comme j'ai entendu, là. C'est vraiment, ils sont dégueulasses, là. On mérite le respect, non? Jean-Claude est un des gardiens du camp. Les constructions de Bernard. Les collègues, ils rigolent. Je les appelle les collègues maintenant. Hein. C'est lui qui a suggéré l'installation de toilettes. L'endroit pour les hommes, bien sûr. Attentif au confort de tous et de toutes. Et là, alors là, regardez un peu cette installation. Alors, on se disait, personne ne va oser y aller. Mais on a appris que ça marche. La vie autour du camp est rythmée par les arrivées de bois, le vrai carburant des gilets jaunes. Autour du feu, une petite société s'est créée. Chacun décortique les propos du président de la République et imagine une autre société. Il y a des Français dans les pauvres, entre guillemets, mais il y a des Français dans les riches aussi qui déconnent. Parce que tout ce qui est paradis fiscaux... On n'en a pas entendu parler encore de la chasse à l'évasion fiscale. Voilà. Il n'y a pas encore de résultats. Alors ça, je voudrais bien avoir les chiffres là-dessus. Mais... S'ils veulent des méthodes pour la faire, la chasse à l'évasion fiscale, on peut leur donner. J'ai été licenciée au mois de juin, j'ai été reconnue invalide. Donc, je n'ai pas droit au chômage, je n'ai pas droit au RSA. J'ai droit à rien, j'ai ma petite pension d'invalidité. Donc voilà, j'ai droit à ça. C'est déjà pas mal. C'est combien ? 550 euros. Donc voilà. On va loin avec ça. Donc, retour chez les parents à 46 ans, c'est bien. Dans 4 ans et 3 mois, eh bien, je viens de signer mon 38e contrat CDD. Voilà. Ça va pas ? Et ça peut pas aller ? Non ? Parce que je peux pas avoir de projet, je peux pas. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. On ne sait jamais combien de temps ça va tenir, on vous lâche du jour au lendemain. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez pas avoir de projet. Ça ne peut pas aller, une France qui n'a pas de projet. Il faut avoir une ligne. Alors oui, le président nous dit qu'il a son cap, mais on n'a pas forcément le même cap. Au début du mouvement, les gilets jaunes occupaient le péage voisin jusqu'à ce qu'ils soient délogés par les gendarmes. Ils nous avaient dit de dégager l'autoroute. Et puis j'ai dit, non, mais attends, mon petit, t'es un peu jeune, je vais t'expliquer ce que l'autoroute abomme les dames. L'autoroute, c'est nos impôts. J'ai dit, moi, j'ai un petit bout là, tous mes collègues ont un petit bout. L'État l'a vendu au fonds de pension australien. J'ai dit, moi, j'appelle ça une spoliation. L'autoroute nous appartient. C'est pas au kangourou. Elle a été vendue à notre insu. Moi, ils m'ont arrêté à 8h, puis ils m'ont relâché à 4h30. 15 personnes aussi, on m'arrêtait. Garde à vue, mes notes pour s'en aller, 170 sur l'autoroute pour la Besançon. Non mais, j'aurais tué quelqu'un, ça aurait pas été pire. Les assiettes, s'il vous plaît. Tous les week-ends, les gilets jaunes font à manger pour 50 personnes. Autour de la table, une majorité de retraités. Certains participent pour la première fois à un mouvement social. Je ne suis jamais été syndiqué. C'est la première manifestation que je fais. Oui. J'ai 68 ans, c'est la première manifestation. On a presque rajeuni parce qu'on retrouve des copains qu'on n'avait pas dans la... Mais on ne l'a pas fait pour ça au début, mais bon. Ce mouvement a
a entraîné entre nous une solidarité. On est content de se retrouver ensemble. On ne partage pas forcément tous les mêmes idées, mais on est tous réunis pour la même cause. À l'intérieur de la cabane, un homme discret veille au grain. Dans ce mouvement sans chef, il y a quand même un intendant, cuisinier, trésorier, un ancien bûcheron qui compte les jours. Nouvel an, Noël, je fais ici. Ma famille, il faut qu'elle supporte. Ça fait 61 jours que je suis là. Voilà. Comme ça, Guy. Juste comme ça. Comme ça, voilà. Voilà. C'est bien, Guy. Voilà. Ça n'arrive à rien, mais tant pis, on aura appris à se connaître. On aura fait quelque chose. On aura eu la sympathie avec, envers les, certaines personnes. Voilà. C'est bien, on a appris à se connaître. Les révoltés du rond-point doutent parfois. Mais le campement est toujours là et s'approche d'un troisième mois d'occupation.